finalized the Act device to support companies with structuring and implementing ambitious low carbon strategies. Our next and last meeting will be on January the 22nd. It's a Friday, and we will present the outcome of this development, which is led by ADEM, the French Agency for Ecological Transition, and getting support from a consortium of three consultancies, Eco2 Initiative, Utopies, and iCare and Consult. So I quickly mentioned the fact that today it's a bit different. We are allowing everyone to join the conversation live. This is why we had a different last minute link to join the workshop. We also will be using Klaxoon later on, and we will provide relevant links to connect when it is needed. So a short introduction from our panelists and especially the role that they will undertake today during the workshop. If you wish, you can type in the chat box your name, surname, and the organization you're coming from so everyone can see who is in this meeting, especially as you will actually at some point discuss together. So my name is Lisa Bertrand, and so I'm working for the ACT initiative at ADEM. And today I'll facilitate one of the two discussions around the ACT device. Maybe Edouard, you can introduce yourself. Thank you, Lisa. So my name is Edouard Faudrin. I'm working also for the ACT initiative in ADEM side. I'm involved in the methodology development of the ACT initiative and responsible of the implementation of the ACT initiative in France with the French voluntary program. So that's why I'm involved in the discussion for this part of ACT. Thank you. Rémi? Hello, everyone. Yes, thank you, Lisa. This is Rémi Marcus. I am one of the co-directors of Eco2 initiative. I am the project manager on the consultant sites for this development project. And I don't know if Jennifer has joined. Yes. Hello, everyone. I'm Jennifer Mayer. I work from Eco2 Initiative, and I will be facilitating the interactive session today. I think Ilaria as well. Yes. Yeah. I won. I'm Ilaria Balletto, and I'm working for Utopy on the strategic part of this project. And I will be with you during the activities. Great, thank you. So as usual, there will be Q&A session. So don't hesitate to ask your question as we give the brief introduction, and we will answer them as we having our Q&A session. So you can use the box. No, there might not be a box. You can use the chat box to ask your question, and we will answer them during the Q&A. So today we'll give a brief summary of the key learnings we took away from the last workshop, and then present our thinking for what we call a progress recognition system and the different expected costs attached to the implementation of the ACT support methodology. Indeed, this is the vision that we had for monitoring the minimum ambition level and pace for implementing the ACT support methodology, which was the subject that we said that we will discuss today. And this is how and why we would like you to maybe have any critics or suggestions, make suggestions during the interactive session. This workshop is recorded, and we'll send a link to the replay as well as the registration link for the last workshop to all of you participants. Do not hesitate to share this information to colleagues and anyone interested, especially for the last workshop, because that's when we will present the result of the development you contributed to. And we also will take a final vote on what the methodology and toolbox's name should be. Now, a quick summary of what we took forward from workshop 6. So 2 weeks ago, we discussed how to implement and monitor the action plan. And we, at that time, decided to focus on the key skills and knowledge required for implementing and monitoring the action plan, which is the last step of the process, the action plan.
So step six, and therefore we needed to take into account the needs from previous actions included in the step 1 to 5. And so based on your contribution, we found out that consultancy support to companies is needed to implement the methodology, especially for the core of the process, which are steps 2 to 4. In addition, we took away some points of focus to ensure a smooth process, and those points of focus will be included in the methodology. We also understood that they are general knowledge and skills, as well as specific expertise that are needed for implementing and monitoring the action plan, and those will be reflected in the ACT training and resources to support capacity building. Thank you. So Rémi. Okay, thank you, Lisa. And then the second part of this presentation is a short presentation about our subject today, which is about progress recognition and potential costs for the users. So I am going to make a short presentation on both subjects right now. And then we will divide the participant into two subgroups in order for each of the groups to explore one of the subjects into more details with more information on each of these subjects available. So as for the first subject, project recognition, this is what we imagine at that stage and what we want you to react on. The company may engage officially in ACT step by step, and then the recognition system will apply. The methodology will be public anyway, so anybody will be able to access the methodology, and the other resources of the resource package will be accessible upon adequate training, training to the ACT step by step. Then the company may use ACT step by step with these resources internally, and then there will be no control or no verification of any kind by the ACT initiative of the way it is used. But if it engages officially in ACT step by step, then it will benefit from the recognition system, and to some extent, ACT initiative will check that the various milestones are passed in order for the recognition to be applicable. In terms of these milestones, this is the architecture of the recognition system that we imagine. It is a three-level system. The first level will apply upon engagement of the company in ACT step by step for a maximum of 1 year and until the end of step 4, where the company will commit to a new strategy and carbon and potentially carbon performance targets. It will communicate this commitment to the ACT initiative, and then the second level will open for a maximum of 1 year too, until the action plan is ready and can be launched, which will be communicated to the ACT initiative too, and will open the third level of recognition. Then the company will be implementing the carbon strategy. I will make sure that, yes, there is no noise. So this is a three-level recognition system. And you will have more detail if you are in the group which explores into more details this system. Let's go. So that was about the first subject on the recognition system. And now we are going to the costs for the users. We'll start short word about the advisor community. The ACT initiative will manage a community of official ACT step-by-step advisors.
which means train them initially and then on a regular basis. And companies will be able to use consultants within or outside the community of advisors. And commercial contacts will occur in a way bilaterally, which means the ACT initiative will not get involved into these commercial contacts. It will simply put forward the external, the official advisors, ACT step-by-step advisors for the companies. Let's have a look on the potential costs for the users. So in terms of users, we are identifying the companies on the one hand side and the advisors on the other hand side. The sources of the costs would be training first for the companies. At least the coordinator would go for a 2-day training. Then a second source of costs will be the inclusion in the recognition system if the company decides to go for it. Open company engagement, that means that would be a one-shot, unique payment upon engagement. And of course, there may be an additional cost, which would be the support from the from consultants if the company decides to use consultants, which will add to the costs of internal resources, of course, which would apply. As for the advisors, they will go for a more in-depth training of a 2+2-day training. And this is also, there is also an associated cost for them. Then they will have to pay a yearly community membership. And on the other hand side, the revenue they will get from the company support will be able to cover these costs, community membership and training. So this is for the costs for the companies and for the advisors. And if you are on the group which will explore this subject, then you will get proposed some orders of magnitude on this, of this cost and be able to react on this order of magnitude. Okay, we will now separate into two subgroups, and for each subgroup, you will be able to deal with one of the two subjects. Perhaps I will answer quickly the question of Olivier. Olivier, you are asking if the community would be similar to the Citergy advisors community that we have in France. And yes, this is the idea. It would be close to that, except that at that stage, the idea is not to appoint some advisors based on a numerus clausus, but rather to let any consultant who would fill in the prerequisites to become an advisor become part of the community. But the principle is quite close indeed. More details about that in the dedicated workshop. Okay, so we need to divide the room into two subgroups. To be honest, we have a technical problem with Zoom, and we cannot do two subgroups in this room. So we'll have to be creative and send some of you to another meeting. So we can deal with one subject in this virtual room, and deal with the other subjects on the other virtual room. So I guess Jennifer, you can share you will be able to share the link. And perhaps Edouard, you can tell us who is going to be able to go to the other room and who should stay in this one. Okay, so the other room, thanks Remy, the other room is for the second topic about cost and revenue, that's it. Okay.
Okay, so we propose to, yeah, for those who will stay here to deal with the recognition system, and for the new link to deal with the cost about ACT step by step. So I try to divide the group into two subgroups, well balanced in terms of number of person and topics you may be interested in. So I propose for the first one, so about recognition, so to you stay in this room, to have Bleuen Parizeau, Régis Janvier, Anthony Dicano, Eve Arquin, Quentin Guignard, Julie Dugard, Camille Richard, Elliot Rabin, et Marine Pouget. And in the second room, so talking about cost, about ACT step by step, I propose to have Anne-Simon Barquero, Jean-Luc Dauté, Nancy Badilas, Julie Tassez, Olivier Poncimol, Damien Huette, Jérémy Kennel, Sarah Gold, if you are okay with this. Yes, thank you, Jennifer. I just wrote the names of those of you who should go to the other room. And so we will wait until the room is separated. So you would be approximately 10 person per subgroup. And of course, Lisa, you also need to go. And Lisa, yes, Lisa, you need to go with Jennifer to the second room, yeah. The link again, yes. Oops. Okay. I think we are set. So this is so they will be coming back to our room after the. This will be simpler than us following them. Okay. 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 So you can. Yes. You will be able to unmute your microphones in a minute, because we will expect your feedbacks. I will send you the Klaxon code in just a second. Okay. By the way, do we have non-French speakers? I think everybody is French, I guess, yeah. Yes, everyone is French. Okay, so I'm switching to French. It will be more simple. Okay, donc excusez-nous pour les petites complexités là, liées à notre problème technique. Je viens de vous indiquer dans le chat le lien Klaxon sur lequel je vous demande de vous connecter. Et puis, je vais ouvrir l'activité, la première activité qui consiste à vous demander votre avis sur la clarté de la présentation jusqu'ici. Voilà, donc je vois que certains commencent à contribuer. Et de mon côté, je vais vous laisser, je vais voir dans l'autre groupe si tout va bien et je reviens vous voir. Ok, ça marche.
Merci. Je vous laisse. N'hésite pas. Alors là, vous pouvez activer votre micro. Hein, si vous avez le moindre problème pour vous connecter à Klaxoon, n'hésitez pas à me le signaler. Je vous rappelle, hein, je vous ai mis le lien juste à droite là. Et là, c'est en allant sur Klaxoon que vous allez pouvoir découvrir les informations qu'on a prévu de vous donner en plus hein, sur le système de reconnaissance et sur lesquelles on aimerait bien vous faire réagir. Ok, je vois que tout le monde a dû nous rejoindre. Il en manque peut-être encore un ou deux d'entre vous. Donc, je vous répète, hein, vous cliquez dans le chat sur le dernier lien là, sur l'application Klaxoon. Ensuite, vous devez peut-être simplement avoir à renseigner un email et puis vous allez pouvoir vous joindre. Voilà, on va passer au board. Je vois qu'on est 10 maintenant connectés. Donc on a un petit peu plus. De monde et nous voici sur le board. Donc, pour commencer, encore une fois, n'hésitez pas à intervenir. Cette fois-ci, vous en avez complètement la possibilité à l'oral. Si jamais vous avez des problèmes pour avoir accès à Klaxoon ou pour y voir, je vous synchronise la vision sur moi pour l'instant pour vous mettre sur la première page et pour vous donner un petit peu plus d'éléments du coup que le premier slide qu'on avait tout à l'heure, on a rempli un petit peu plus la page. Alors ici pour l'instant il y a peu d'éléments en plus, simplement pour en ce qui concerne l'accessibilité de la méthode et les autres ressources, on a écrit ce que j'ai commenté un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire une fois que l'entreprise a suivi la formation, donc a priori le coordinateur, hein, soit elle va utiliser step by step, elle aura accès à toutes les ressources, donc soit elle va utiliser step by step à sa manière, comme elle le voudra, idéalement en suivant la méthode, mais finalement elle en fera ce qu'elle voudra. Il n'y aura pas d'exigence, mais il n'y aura pas non plus de communication, de possibilité de communication associée. Soit elle s'engagera officiellement dans step by step. Elle pourra communiquer et l'initiative ACT communiquera sur son engagement, mais il y aura aussi des exigences minimales qui vont s'appliquer, on va en parler dans un instant, et elle fera partie d'une communauté d'entreprises qui sont engagées dans ACT. Ça, c'est le premier point, je vais m'arrêter de parler dans quelques instants, mais simplement, je commente en quelques mots la deuxième partie. Pour vous dire que là aussi, on a enrichi, si vous descendez un petit peu, vous allez trouver la deuxième page qui est enrichie, où ici, on est venu ajouter en particulier les exigences qui seront applicables pour entrer dans le premier niveau du système de reconnaissance pendant maximum un an, jusqu'à la fin de l'étape 4, puis des exigences applicables pour entrer dans le deuxième niveau, et puis celles qui seront applicables pour entrer dans le troisième niveau. L'état d'esprit de ce système... C'est au départ, en ce qui concerne la possibilité d'aller à la fois dans un système officiel ACT Step by Step ou d'utiliser la méthodologie et les ressources à sa façon, c'est que ACT veut pouvoir diffuser les ACT Step by Step au plus grand nombre et donc ne veut pas imposer qu'on entre dans le système de reconnaissance. Et quand on est dans le système de reconnaissance, l'idée, c'est de vérifier que non pas le contenu de ce que fait l'entreprise, mais de vérifier qu'elle respecte correctement le process et que donc elle a bien passé toutes les étapes et qu'elle avance à une vitesse, à un rythme minimal acceptable, d'où les durées de un an maximum à chaque fois. Je vous laisse peut-être maintenant découvrir un petit peu tout ça. On va avoir un échange et j'en profite. Je vous laisse regarder. Je reprends la parole dans deux minutes.
Excusez-moi. Tout fait bouger. Ok, est-ce que vous avez. Je vais vous demander peut-être, est-ce qu'on va avoir un échange maintenant, je vous demanderai de réagir à tout ce qui est affiché ici, de dire un petit peu ce qui pour vous, ce que vous auriez fait autrement, ce que vous imagineriez autrement et quelles sont vos propositions. Pour ça, est-ce que. Ensuite, on aura une petite restitution collective, en particulier vis-à-vis de l'autre groupe. Et donc, est-ce que parmi vous, quelqu'un serait partant pour faire le rapporteur de ce groupe au moment de la restitution collective. Non Moi, je veux bien si j'y arrive. En français ou en anglais? Ok, non. En français, je pense. L'autre groupe m'a informé que aussi il parlait français. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on n'a pas d'anglophone maintenant. Donc en français. Pour eux, ce que je vais vous demander, c'est qu'au fur et à mesure où des idées sont proposées, vous voyez, vous avez un petit plus en bas de l'écran sur lequel vous pouvez générer un post-it. Et sur le post-it, vous pouvez écrire le commentaire, restituer le commentaire, un tout petit résumé en deux, trois mots. Ça vous fait un petit mémo des commentaires qui sont proposés dans la discussion. Donc, vous pouvez poser des post-it. Je vais en faire un comme ça. Factice, voilà, hop, je mets un post-it à côté de l'écran pour qu'on se rappelle bien que telle ou telle chose a été dite. Il a dit, pour vous, tu sais ce qu'il me dit, que ça c'est moins important. Alors, on a pas mal, en revanche, on a pas mal de sons parasites de votre côté. Oui, il y a une collègue qui parfois parle fort. Je vais mettre en muet et puis faire les post-it. D'accord, merci. Si jamais il y a un problème, vous n'hésitez pas, vous reprenez la parole. Est-ce que, on peut entrer peut-être dans la discussion. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui vous est proposé là, des interrogations? Et puis sinon, vous pouvez avoir directement des commentaires, auquel cas ils sont complètement les bienvenus et on pourra échanger dessus avec plaisir. En tout cas, on aimerait connaître votre point de vue sur ce qui vous est présenté là. Alors, pas de contribution spontanée. Je peux essayer de vous donner des idées. Nous, les questions qu'on se pose sur ce système-là, est-ce qu'on aimerait faire en sorte de s'assurer que ce système de reconnaissance, il permet de reconnaître vraiment l'avancée effective des entreprises dans le process. Et en même temps, il y a une chose qui est importante pour nous, c'est qu'on aimerait vérifier que les entreprises ne vont pas trouver de limite, de barrière à l'entrée, ne vont pas être effrayées par ce processus. Est-ce que, alors je m'adresse en particulier aux représentants d'entreprises, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir, Madame Richard en particulier, est-ce que vous pensez que, je crois que vous n'êtes pas la seule représentante d'entreprise, je n'ai pas tous les noms en tête, mais est-ce que vous pensez que ça pourrait poser des problèmes? Madame Pouget, vous avez. Je vois que vous levez la main, n'hésitez pas, vous pouvez prendre la parole. Alors attendez, on va faire dans l'ordre. Madame Richard, je vous laisse réagir. Puis ensuite, je veux bien que des problèmes, je n'ai pas très bien compris votre question. Et quel genre de problème? Est-ce que le système tel qu'il est présenté ici, est-ce que le fait qu'il y ait des exigences, et les exigences, elles sont listées sur la droite ici, dans leurs principes, est-ce que ça pourrait être anxiogène en ce qui vous concerne pour les entreprises de devoir répondre à ces exigences-là, ou est-ce que ça vous paraît naturel et correspondre à ce que vous auriez pu imaginer? Le fait qu'il y ait des exigences, ce n'est pas forcément anxiogène.
ce qui va être plus compliqué, c'est faut, le gros problème quand on fait des bilans carbone et des trajectoires climat dans des boîtes qui ne sont pas forcément équipées en ressources humaines, en tout cas pour le faire, c'est d'arriver à convaincre les gens de dédier du temps à ces choses-là, quoi. Donc, en fait, dans l'absolu, moi, ça, je ne les trouve pas complètement délirantes, hein. C'est contrainte. Mais c'est, y a, en fait, c'est un peu le problème, c'est qu'on peut avoir plein d'intentions, on sera toujours beaucoup soumis à l'engagement en fait, de l'interne sur ces questions-là. Quoi. Mmh. Effectivement, et c'est, d'ailleurs, c'est une préoccupation qui était ressortie du dernier atelier, c'est qu'il fallait qu'il y ait un fort engagement en interne pour pouvoir lancer step by step dans de bonnes conditions. Mais il faut arriver à convaincre le top management à en faire des objectifs, en fait, au même titre que les objectifs de vente, par exemple, ou de performance. Ouais, ok. Pour les équipes. Ok, merci. Alors, Madame Pouget. Oui, merci. Alors, je vous préviens, j'ai des travaux à côté de chez moi. Ça risque de faire un peu de bruit. Donc, Marine Pouget du réseau Action Climat. Donc, moi je ne gère pas une entreprise, mais je voulais quand même donner mon avis. Je pense, en fait, je suis d'accord avec l'intervenante précédente. Je pense que c'est comme ce système de reconnaissance avec certaines exigences, c'est un minimum, en fait. Enfin, pour nous, c'est là que ACT joue aussi un rôle super important parce que ce n'est pas seulement donner des clés ou disons un outil aux entreprises, mais c'est aussi permettre une certaine communication sur ce qui est atteint. Donc, nous, ça nous paraît d'autant plus intéressant s'il y a l'utilisation de cette méthode-là avec les différents points d'exigence par année. Donc, voilà, nous, moi, là, comme ça, je serais plus favorable sur ce système-là. Mmh. Ok, je vois qu'il y a un commentaire qui arrive qui dit que la première étape, la première année paraît longue. Oui, c'est Julie qui s'exprime. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, tout à fait. Ok, en fait, c'était le schéma de temps un an par grande étape. Je suis consultante, donc je ne suis pas côté entreprise, mais j'ai l'impression que... Quand les entreprises veulent s'engager, elles veulent le faire assez rapidement, en tout cas pour répondre à une exigence souvent du top management ou du marché ou des investisseurs. Et du coup, j'ai l'impression que si on met un an, je trouve que la stratégie est super claire et robuste, mais j'ai l'impression que ce un an pour la première étape, un an pour la deuxième, un an pour la troisième, ça peut un peu effrayer et d'accord. Du coup détourner le... une entreprise en se disant là, ça me paraît beaucoup plus alors qu'en fait je pense que c'est pas plus de travail que sur d'autres sujets en fait, enfin, que d'autres stratégies. Alors en fait c'est un bon point, je comprends, mais il y a une mauvaise présentation de ma part. C'est un maximum d'un an, c'est-à-dire que l'entreprise n'a aucune obligation d'attendre un an pour valider à chaque fois chaque étape. Elle peut aller plus vite que ça, et si elle arrive à la fin de la quatrième étape en ayant passé tous les steps de hack step by step jusque-là et en ayant une nouvelle stratégie et des nouveaux objectifs, elle peut très bien valider au bout de 6 mois. Il n'y a aucune restriction à ça. L'idée, c'était de limiter à un an max pour éviter qu'une entreprise puisse vivre en valorisant des progrès sur hack step by step pendant longtemps, alors qu'en fait, elle n'avance pas, elle ne fait rien. Mais en fait, on peut aller plus vite que ça. D'accord. Ça me paraît un peu plus clair présenté d'accord. Comme ça. Ok. Merci. Bon, mais ça permet de clarifier. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres points? Alors, je vois que Eve, qui devait s'absenter, je ne sais pas si elle est revenue, mais que Eve signalait qu'elle trouvait que le scope 3 en prérequis n'était pas forcément... elle s'interrogeait dessus et disait que l'engagement dans la démarche pourrait justement permettre de mettre en avant la nécessité d'élargir au scope 3, et donc le scope 3, j'imagine, pourrait être abordé dans le cadre de la démarche. Et puis un deuxième point, j'ai pas compris cette remarque.
voyez, dans les prérequis qui sont à droite, là, en étape 1, on demande c'est le troisième bullet point du 1, on demande un bilan GS COP3 en prérequis pour s'engager dans Act Step by Step. D'accord. Donc l'interrogation, c'est est-ce que ça devrait être un prérequis de faire du scope 3 ou est-ce qu'on pourrait faire quelque chose de plus sommaire avec l'idée que Act Step by Step soi-même pourrait amener les entreprises à y aller quoi, au scope 3 sans qu'elles l'aient fait avant. Et deuxième point, c'est plus clair ? Oui, oui, parfait. D'accord. Et puis le deuxième point que soulevait Eve, modalité de suivi contrôle des entreprises, tissu de la démarche en interne, comment s'assurer qu'elles ne communiquent pas ? Ça, effectivement, c'est une difficulté. Hein. On a déjà rencontré des difficultés sur ce plan-là. Il faut effectivement, c'est une question de veille, enfin, ça c'est à gérer par Act Initiative. Ce n'est pas quelque chose de simple, mais en général, c'est quand même une problématique assez classique pour les labels, pour les certifications, de s'assurer qu'il n'y a pas de communication abusive. Et donc, ça, on entrerait complètement dans ce cadre-là à ce moment-là. D'autres, alors je vois que il y a un post-it en plus. Est-ce que la mise à disposition des ressources Act Step by Step, c'est-à-dire méthodologie publique et autres ressources disponibles sur la base de la formation, puis possibilité d'utiliser Act Step by Step, on va dire hors cadre, à sa façon, ou de décider de s'engager officiellement dans un système de reconnaissance, est-ce que c'est quelque chose qui vous semble adéquat ou est-ce que certains d'entre vous pensent qu'il aurait peut-être fallu obliger à rentrer dans le cadre système de reconnaissance? Oui, bonjour, donc Régis Janvier. Moi, je compte m'en inspirer pour accompagner. J'accompagne plutôt des TPE en fait sur ce sujet-là. Et en fait, du step by step, enfin du acte ou acte step by step pour des TPE, je pense que effectivement c'est potentiellement un petit peu lourd et pas forcément adapté. Par contre, du coup c'est une très bonne source d'inspiration pour définir des étapes et une méthodologie. Et donc de leur dire, ben voilà, ce qu'on est en train de faire, c'est pas acte, c'est pas step by step, mais ça y ressemble. Et le jour où vous pourrez potentiellement être préparé, quoi. Ok. Ouais. Merci pour cette contribution. Effectivement, l'idée c'est qu'effectivement que Act Step by Step puisse être appliqué au TPE, mais donc ce que je comprends, c'est que vous dites c'est bien qu'on puisse l'utiliser librement, puisque finalement comme ça on pourra l'adapter complètement spécifiquement à des entreprises, y compris de très petite taille, quoi. Ouais, peut-être que si demain il y a une certification, bah effectivement là il faut pas que ce soit libre, parce que bah évidemment il y a des prérequis, il y a des contraintes et tout ça. Par contre, que la méthodologie puisse être open pour que tout le monde puisse s'en inspirer, je pense que ça ne peut aller que dans le bon sens, quoi. Enfin, je veux dire, si on va pas. Ouais, ok. Merci. D'autres avis? Alors, vous avez encore peu de temps puisqu'on va bientôt être rejoint par le deuxième atelier. Est-ce que vous avez d'autres commentaires sur ça m'intéresserait d'avoir votre avis sur les exigences. Est-ce que vous les trouvez correctement placées? Est-ce que vous trouvez qu'elles vont un peu loin ou qu'on pourrait en demander plus? Donc là, ce qu'on demande en prérequis, c'est formation du coordinateur, que le sponsor et le coordinateur de la démarche soient nommés. Donc, un bilan carbone scope 3, donc Eve nous a déjà fait un retour là-dessus, et puis ça prend la forme d'une engagement letter. J'ai une question au niveau des exigences sur la vision long terme. Alors, je n'étais pas présent aux séances précédentes, donc peut-être que la réponse a déjà été donnée, mais est-ce que dans cette vision long terme, il y a justement un minimum d'exigences de poser pour qu'on soit vraiment compatible avec. Avec un objectif de neutralité à terme ou dans une échéance intermédiaire avec les accords de Paris.
Alors ça, ce n'est pas la fonction de Hack Step by Step, vraiment de cadrer le niveau d'ambition, enfin, ou plutôt d'exiger un niveau minimum d'ambition pour les objectifs et d'alignement. Hack Step by Step va vous permettre de mesurer quel est votre niveau d'ambition par rapport à un alignement de degrés, mais ne va pas vous imposer. Ça va vous permettre de savoir si vous êtes bon ou pas bon, mais il ne va pas vous imposer de vous aligner sur le niveau de degrés directement. Et là, l'idée, c'est vraiment de cadrer le processus et l'avancement de l'entreprise dans le processus, mais pas le niveau d'ambition et le niveau de profondeur avec laquelle l'entreprise le fait, puisque ça, pour le coup, ça va être cadré par d'autres démarches, et en particulier, je ne l'ai pas cité, mais bien sûr, comme point d'orgue potentiel à cette démarche ACT BASAPA, il y a un audit ACT en fin de parcours qui pourrait être vu comme un quatrième niveau de reconnaissance pour l'entreprise, où là, l'entreprise va vraiment pouvoir être confrontée au fait qu'elle est alignée ou pas de degré. Et c'est plutôt là que ça va se trouver. Du coup, il y a combien d'étapes? Il y en a 3 ou 4? Alors, vous avez 3 niveaux de reconnaissance. 1, 2 et 3. Le quatrième, je parlais d'un quatrième, d'un point d'orgue qui serait un audit ACT qu'on peut mener ou pas, qui ne fait pas partie intégrante de la démarche ACT pas à pas, mais qui pourrait venir sanctionner ou valoriser en fin de parcours une démarche ACT pas à pas. Ouais, peut-être qu'il y a... Moi, je dirais qu'il y a peut-être une étape de trop, si effectivement... Allez-y. On veut valider la dernière étape via ACT. Mmh. J'ai un peu de mal à voir la différence entre la fin du 2 et la fin du 3. Ouais. OK. Alors, la fin du 2, c'est l'entreprise a défini sa stratégie et s'engage sur sa stratégie. Entre le 2 et pendant le 2, là, l'étape 5, elle construit un plan d'action qui va lui permettre de mettre en place sa stratégie concrètement par des actions. Et en fin du 2, elle a son plan d'action et elle lance la mise en œuvre de son plan d'action qui va lui permettre du coup de réaliser sa stratégie, puisque la stratégie n'est qu'une stratégie et elle n'est pas concrète, quoi. Donc là, le niveau 2, c'est je suis en train de préparer mon plan d'action, et le niveau 3, c'est je suis en train de mettre en place mon plan d'action. C'est là où, pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas clair à ce niveau de limite. Ok. J'ai bien compris que dans le 1, on déterminait toute la stratégie et du coup, pour moi aussi, le plan stratégique, le plan d'action. Mmh. Et ensuite, on l'implante et on le manage, on le monitor, qu'il soit... Et on regarde s'il y a des effets. C'est ces étapes-là qui, pour moi, sont un tout petit peu ambiguës. Ouais, je comprends. Si vous voulez bien, n'hésitez pas à l'inscrire sur le post-it. Et puisque vous êtes rapporteuse, vous pourrez mentionner dans la restitution collective. Je ne sais pas si pour les autres, ça paraît clair, mais je me demande s'il n'y a pas une étape de trop. Il y a une vraie grosse étape. J'établis toute la stratégie et ensuite, j'implémente. En moins que je ne vois pas très bien la différence, mais peut-être que je me trompe. Je vous coupe, c'est Edouard dans la discussion. Il reste quelques minutes avant que le deuxième groupe nous rejoigne, là, une ou deux minutes. Donc, je ne sais pas si vous avez pu avancer comme vous le souhaitez dans les discussions, mais en tout cas, on va bientôt se retrouver tous ensemble. OK, merci Edouard. Donc, on a encore quelques instants pour deux dernières contributions. Ben Parizo, c'est le moment aussi de faire un petit récap pour pouvoir partager avec tout le monde ce qui s'est dit. Est-ce que vous avez d'autres réactions? Ève, peut-être que tu veux clarifier, approfondir à l'oral les questions que tu as posées et peut-être j'ai essayé de les restituer au mieux. Mais je sais pas si merci Rémi, je suis vraiment désolée. En fait, j'ai eu un point téléphonique urgent à faire et du coup, je n'ai pas suivi trop les échanges. J'en suis désolée. Initialement, en fait, quand tu as présenté, sans rentrer dans le détail, j'ai eu juste deux questions qui sont apparues.
Je ne sais pas si c'est le type de question qui est attendue. Et du coup, comme je n'ai pas trop suivi, je vais quand même dire ce que j'avais en tête. Ouais, ouais. Je les ai commentées, mais tu peux, vas-y, tu peux les... Oui, en fait, c'est au début, donc j'ai compris qu'il y avait deux types de démarches possibles, en interne ou officielle. Et je me suis dit, c'est vrai qu'il y a toujours de la question de toujours cette vérification, de contrôle, on va dire. Est-ce que cette non-communication attendue, elle est vraiment... obligatoire, enfin, en tout cas strict, ou est-ce que c'est plutôt un conseil? Si c'est qu'un conseil, ça pose pas de problème, mais si c'est vraiment strict, peut-être, je sais pas comment on fait pour vérifier que des structures ne se servent pas d'actes pour légitimer certains résultats, alors que derrière, il n'y a aucun engagement plus solide ou officiel. Donc ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'était sur le scope 3, parce que c'est vrai que dans la formation ACT, mais qui est actuelle, hein, on avait évoqué cette question de est-ce que les entreprises doivent avoir fait leur scope 3 ou pas, ou voire avoir fait un bilan, tout simplement. La réponse à l'époque du formateur, il est là, Damien, ou pas, c'était, et que je trouvais assez intéressante, c'était de dire finalement, ça peut s'engager dans ce type de démarche, ça peut justement mettre en avant la nécessité d'élargir son horizon et d'aller jusqu'au scope 3. Du coup, je me demande, est-ce que ce n'est pas trop contraignant? Est-ce qu'on ne va pas louper des gens intéressés parce qu'on demande ce prérequis-là? Enfin, voilà, c'était mes deux questions un peu à chaud, on va dire, après ta courte présentation au début. Alors, je ne vais pas y répondre maintenant. Je ne vais pas utiliser le temps qu'il nous reste. Mais c'est des questions qu'on se pose, en fait. Donc, voilà, donc elles sont bienvenues. Donc, pour l'instant, on est parti sur ces choix-là, mais on va y réfléchir de nouveau. Est-ce que vous avez d'autres contributions avant qu'on soit rejoint par tout le monde? Quentin, je ne sais pas si tu veux dire un mot pour l'ABC, s'il y a des choses qui te choquent, vous avez un savoir-faire particulier à l'association bilan carbone, donc, ou donne ton avis général. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Non, concrètement, moi je suis assez d'accord avec quelques commentaires. Je suis assez pas forcément pas d'accord, mais en tout cas, par exemple, moi je trouve que la première année, par exemple, elle est très chargée à mon sens. C'est-à-dire que pour moi, ça fait vraiment beaucoup, surtout si on part sur une entreprise qui a priori est pas mature sur la question de la transition. Lui faire tout son bilan carbone, former toutes ses équipes, jusqu'à proposer un plan stratégique en un an. Bon, et pour moi, le scope 3, en fait, je suis presque contre l'utilisation de ce terme, en fait. Je pense que aujourd'hui, on n'a plus besoin d'utiliser scope 3. Les normes, dans tous les sens, nous parlent d'émissions significatives. Au final, ce qu'on veut, c'est surtout qu'il y ait un bilan un peu global qui soit fait. Et je pense que si vous parlez d'émissions significatives plutôt que scope 3, déjà, on va dans le bon sens. Donc voilà, je ne sais pas si pour acte pas à pas on a besoin de faire un scope 3 complet ou alors je vais dire un bilan carbone complet ou si finalement juste les postes significatifs suite à une approche sectorielle peuvent être un bon point de départ puis qui de toute façon aura aussi vocation à être poursuivi au fur et à mesure de la démarche. En particulier, enfin, nous, on a, pour le bilan carbone, on a quand même des recommandations à inclure. Enfin, en gros, on recommande d'inclure dans le plan d'action un système d'amélioration de la comptabilité carbone de l'organisation en elle-même. Donc ça peut tout à fait rentrer dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'on fait un premier bilan qui nous permet de rentrer dans l'acte pas à pas, mais qui n'est que sur les postes principaux. Et puis, on approfondit plus tard. Et je pense que ça, c'est pertinent et c'est légitime dans le cadre d'une stratégie de transition, par exemple. Voilà, non, sinon je suis tout à fait d'accord avec ce système de tant que c'est utilisé en interne, il n'y a pas de entre guillemets, il n'y a pas de contrainte plus que ça. Mm-hmm. Par contre, dès qu'on commence à communiquer, bon bah là, voilà, normal. Ok, merci pour cette contribution. Ouais. Je note du coup proposition premier bilan carbone plus léger, mais incluant. Des émissions significatives. C'est ça. Ouais, je crois que tout le monde nous a rejoint. Vous allez pouvoir même le restituer.
Edouard, je crois que vous nous avez rejoint, non ? Ouais, ouais, tout le monde nous a rejoint. Ouais, l'atelier numéro 2 est terminé et on est a priori tous réunis là sur, dans la même salle. Donc on va pouvoir passer aux restitutions. Ok, super. Et merci pour les acrobaties de connexion. Ouais. Finalement, je crois qu'on voilà, on arrive à se retrouver tous ici. J'espère que vous avez eu le temps quand même de bien échanger de l'autre côté. Ça a été le cas aussi en ce qui nous concerne. Alors, je pense que mon écran est partagé. Et du coup, peut-être que le plus efficace pour avancer en termes de temps, c'est qu'on commence par la restitution de notre groupe qui intéressera particulièrement les personnes de l'autre groupe qui viennent de nous rejoindre. Et du coup, Madame Louane Parisot, je vais vous laisser, je vous laisse prendre la parole. Et puis voilà, alors c'est très court, en 3 minutes, peut-être nous dire, essayer de nous résumer un petit peu ce qui s'est dit autour de la table virtuelle sur ce premier groupe. Alors j'ai juste un problème d'affichage, je ne vois plus l'écran. Ah, ça c'est un problème. Vous pouvez peut-être dézoomer enfin rezoomer ou dézoomer, c'est souvent un problème comme ça qu'on a. Et sinon, vous pouvez regarder sur l'écran partagé Zoom, puisque je partage les post-it et le klaxon. J'essaie de cliquer sur grand écran, mais il ne veut pas. Ok. Alors, donc, sur la méthodologie, d'abord, le fait de laisser ouvert le choix aux entreprises de soit faire leur démarche en interne avec la méthode qui est publique, mais par contre, sur laquelle on ne peut pas communiquer. Les remarques ont été, c'est vraiment intéressant, notamment pour les petites entreprises qui n'ont pas forcément les possibilités et les capacités de faire une démarche acte complète. C'est intéressant pour elles pour entrer dans la méthodologie, en tout cas pour commencer à se faire une première étape. Et ça reste intéressant pour que toutes les entreprises puissent s'en inspirer et au moins mettre un pied dans ce que c'est acte. Le problème lié à ça, c'est comment s'assurer que les entreprises ne communiquent pas sur leurs résultats quand elles font la démarche uniquement en interne sans vérification. Donc, voilà, l'ouverture, l'open access est intéressant, mais il y aura forcément quelque part un contrôle à mettre en place ou une vérification. Et ensuite, pouvoir communiquer avec des exigences vérifiées, oui, ça paraît logique pour qu'on ait confiance dans une notation et dans un système. Je résumerai ça comme ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Ça me semble parfait. Je vous laisse commenter la deuxième partie, peut-être. Alors, sur la deuxième partie, on a discuté d'abord sur la première étape qui paraît très dense, puisqu'il y a, pour une entreprise qui n'a encore fait que très peu de démarches, il y a tout l'engagement interne, la formation, le bilan carbone complet à réaliser. Et ça paraît très dense peut-être par rapport aux autres étapes. Notamment, une question se pose sur un bilan carbone ou GHG jusqu'au scope 3 dans le détail. Donc peut-être une des propositions, c'est de voir si dans cette première étape, il serait intéressant de faire un bilan carbone ou quelque chose de plus léger, incluant par contre les émissions significatives. Et dans la deuxième étape, rentrer vraiment dans un bilan carbone complet. Pour ça, c'est pour ne pas rebuter des gens qui souhaiteraient s'engager mais sans rentrer dans tous les détails d'un bilan carbone complet. Mais en ayant bien conscience des points principaux sur lesquels travailler. Donc ça, c'était un point qui était relevé sur la première partie. Et donc ensuite,
Nous étions plutôt d'accord avec le principe hein, d'avoir des exigences pour chaque étape, pour passer les étapes, ce qui permettait de bien distinguer où on en était. Le fait qu'il y ait écrit un an sur chaque étape, c'est maximum. Chaque entreprise ayant sa maturité, sa manière de travailler, c'est tout à fait possible d'aller plus vite. Disons que une année, c'était le maximum. Et ensuite, il y avait aussi une petite remarque sur les deux dernières étapes. Avec la définition d'un plan d'action, puis sa mise en place. Est-ce qu'il y a besoin de travailler en deux étapes ou non ? C'est pas super. Sachant que la quatrième étape qui vient logiquement, c'est l'évaluation acte au final. Pour communiquer sur une note. Donc voilà les remarques qui ont été faites sur les deux slides présentés. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir couvert aussi rapidement tous les points. Et du coup, on va laisser la parole maintenant au deuxième groupe. Et en particulier, je vais Si tu peux, Rémi, couper ton partage d'écran, comme ça je partage le mien. Et on a une question de Olivier. Par contre, pour l'implémentation de grosses actions, est-ce qu'un an, ce ne serait pas un peu court ? C'est une question. C'est une question. On n'a pas vraiment le temps d'y répondre maintenant. L'idée, c'est que, de toute façon, les actions. Enfin, l'idée, c'est de pas limiter la durée de l'action à ces trois années-là. C'est vraiment d'impulser, d'assurer une maturité de la stratégie. Mais on sait très bien que, bien sûr, les actions de grande envergure, elles durent beaucoup plus que ça. Et donc, on ne va pas capter tous les progrès de l'entreprise sur le moyen long terme dans un process de trois ans. Mais au moins, on commence à on capte le changement de braquet et l'évolution de l'entreprise au début. C'est une démarche d'amélioration continue, donc on peut très bien le réitérer et s'améliorer au fur et à mesure. Alors, pour le deuxième groupe, donc, qui portait sur la communauté des conseillers et consultants et des coûts afférents à la méthodologie ACT-S, donc le premier point qui a été discuté avec ses pour et ses contre, hein, c'est l'ouverture en fait à deux types d'intervenants, les consultants formés et puis les conseillers qui pourraient être en dehors d'une formation ACT. Et effectivement, donc l'idée est de bien garder les deux possibilités et la coexistence. Et puis de bénéficier de la richesse en fait de rejoindre les deux dans une communauté, parce que sur le retour d'expérience de Damien, c'est cette communauté justement d'échange d'expérience de bonnes pratiques qui faisait notamment la valeur ajoutée de Citergy. Par contre, voilà, il y a un point d'attention en fait pour ceux qui accompagneraient des entreprises qui décident de suivre la méthodologie qui est publique, mais sans que ni l'entreprise ni l'accompagnateur en fait soit complètement formé à ACT. Il y a peut-être un petit peu de suivi plus particulier à faire. Et donc, avec la question de est-ce que au niveau de la certification, il y aurait une reconnaissance différente en fonction de si le consultant est reconnu comme étant formé ACT-S ou pas. Ensuite, au niveau des coûts, la question qui s'est beaucoup posée est plutôt en fait vers le bas de l'échelle de taille, typiquement les PME en fait avec un risque de frein, euh,
un risque de frein à l'entrée pour, ben voilà, pour mettre ces 2 kilos euros pour entrer dans un système de reconnaissance. Je rajouterais, parce que je viens d'y penser quand on a basculé de salle, mais aussi les 2 kilos euros qui vont être sortis de la même manière pour former un coordinateur dans une PME que dans une société de plus de 5 000 personnes. À contrebalancer par le fait que justement ces TPE-PME, elles ont probablement beaucoup moins envie de faire l'étalage et la publicité autour de cet accompagnement. Donc, ce serait quelque chose qui entrait dans le système de reconnaissance et pas forcément quelque chose d'obligatoire pour la PME. Mais donc, il y a peut-être quelque chose à voir en fait sur les petites tailles. Est-ce que c'est vraiment adapté? Est-ce que parce que comme disait Jennifer, il va falloir venir vérifier en fait que la méthodologie ACT a été suivie correctement au niveau du process, et ça a des coûts quelle que soit la taille de l'entreprise, donc il faut aussi participer à ces coûts. Donc là il y a des questions soit à réévaluer cette échelle, soit de toute façon à se dire aussi que des TPE par exemple seraient beaucoup trop petites et ne rentreraient pas dans ce cadre-là. Il faudrait peut-être un cadre qui s'inspire de ACT-S mais qui est beaucoup moins engageant à voir. Enfin, je sais qu'il y a des discussions qui sont en cours, donc je laisserai Elisa continuer ces discussions. Alors, côté consultant, on n'a pas parlé beaucoup. On a passé beaucoup plus de temps sur les sociétés. Et oui, une remarque aussi de Jérémy au Québec, c'est que on est au Québec, en fait, c'est même la comptabilité carbone est juste débutante. Donc, plus les coûts d'entrée sont élevés, moins on a de chances d'attirer des entreprises sur ce côté-là. Donc c'est vraiment une histoire de balance en fait entre le bénéfice que les PME pourront retirer et puis les coûts qui sont liés à ACT-S. Autant une société qui est très solide, très très organisée, etc., mais qui est pas du tout mûre pour une stratégie carbone, c'est normal d'avoir cette barrière à l'entrée pour l'engager. Ça, c'est très important, hein. Comme disait Elisa, ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Pour les PME, c'est peut-être plus à nuancer. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, les membres du groupe 2? Il y a un post-it, mais Jennifer, je suis plus sûr de comprendre sur la possibilité. Avoir des prêts spécifiques. Est-ce que c'est des prêts ou est-ce que c'est. Est-ce que ça pourrait être. Oui, c'était une question. Une question de Anne, je crois. Subvention type fiche C2E aussi, peut-être, je ne sais pas. Oui, la question, c'était de savoir si, en fait, comment on peut valoriser cette démarche, vu qu'il y a une évaluation à la fin. Est-ce que ça peut donner accès à des prêts éco-conditionnés, ce genre de choses, pour valoriser en fait la réalisation de la méthode? Oui, donc c'est l'inverse, c'est la valorisation de ceux qui ont réussi à arriver à un certain niveau et à ce moment-là de leur offrir des prêts particuliers. Ça, c'est... Ouais. Peut-être une réponse un peu courte, mais parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, on est déjà au-delà du temps, mais simplement, oui, c'est des choses qu'on est... En fait, pour pouvoir permettre ça, il faut qu'on continue notre engagement avec les institutions financières. Donc, on a ça en tête, on y travaille, mais voilà, ça demande un peu de force de conviction, mais et aussi c'est ce qu'on fait, on a un collègue qui travaille là-dessus, ça demande aussi de mettre à leur disposition des clés de compréhension de nos méthodes, de nos outils et de ce que cela veut dire d'un point de vue, comment après les institutions financières peuvent utiliser dans leurs outils de reporting et de décision en termes d'investissement les résultats d'une mise en œuvre de ACT pas à pas ou d'une évaluation ACT.
Dans la série de l'idée de Anne, Régis a mis dans le chat aussi, surtout c'est important pour les PME, la dimension éventuellement d'avoir un accès peut-être privilégié au marché public pour ceux qui ont suivi la méthodologie ACT. L'idée à réfléchir. Ça, c'est, par contre, c'est très français, je ne sais pas comment ça marche à l'extérieur. Il y a des marchés publics dans tous les pays. Ok, effectivement, il y a des marchés publics dans tous les pays, mais on ne maîtrise pas forcément ce que chaque pays décide de faire. Mais effectivement, il y a des règles pour les marchés publics dans les pays et ils le gèrent à leur propre niveau. Je pense qu'on va devoir, on va devoir conclure. Je vois qu'il y a certaines personnes qui commencent à nous quitter. Peut-être un mot avant de conclure, de laisser la parole à Lisa pour conclure cet atelier. N'oubliez pas, si vous êtes, j'espère que vous êtes encore connecté à Klaxoon, bon, sinon ce n'est pas un drame, mais si vous l'êtes, je clôture de mon côté l'activité Klaxoon sur le groupe 1. Je pense que Jennifer fait pareil sur le groupe 2 et vous allez pouvoir répondre au questionnaire de satisfaction finale au moment où vous vous déconnectez, avant de vous déconnecter, ce qui sera pour nous très utile de façon à ce qu'on ait, ce retour habituel sur votre participation et sur l'intérêt que vous avez trouvé à l'atelier. Je laisse la parole à Lisa pour la clôture. Ok, merci Rémi. Écoutez, merci à tous d'être restés, déjà de vous être connectés, d'avoir participé, d'être restés un petit peu plus longtemps que prévu. Je pense que c'était vraiment très intéressant ces échanges. On va, comme d'habitude, vous envoyer les liens pour partager ou revisionner ces échanges, notamment puisqu'on avait deux groupes aujourd'hui. Donc, si vous souhaitez visionner l'échange qui s'est produit dans le groupe dans lequel vous n'étiez pas connecté. On va aussi, je pense, peut-être mettre en forme vos contributions sur les post-it, peut-être les inclure plutôt dans le diaporama qu'on vous enverra, comme on le fait d'habitude aux participants, pour que vous ayez ces contributions à l'écrit aussi. Et puis, tout ça avec le lien pour l'inscription à notre dernier atelier, donc le 22 janvier à 2h, où on fera une restitution, donc là plutôt une présentation de la méthode, des outils, du dispositif, donc les sujets qu'on a abordés aujourd'hui, du dispositif en termes de coûts, de positionnement, de formation, etc. En tout cas, tout ce qu'on aura développé jusque fin janvier. Et puis, donc, comme je le disais, un petit vote à la fin de cet atelier du 22 janvier pour le nom qu'on pense être le plus pertinent pour cette méthode de progrès sur la stratégie bas carbone des entreprises. Voilà, merci à tous. Bonne fin de journée en français. Donc, voilà, et à bientôt l'année prochaine. Merci. Merci à tous et à toutes. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Merci. Au revoir, merci.